C'est une nouvelle défaite à présent pour les opposants à l'état d'urgence. Ils avaient saisi le Conseil constitutionnel pour contester certaines dispositions de la loi. Magali Forestier, bonjour, vous êtes en direct du Conseil constitutionnel. Eh bien, cet état d'urgence a été dans les grandes lignes validé par les sages ce matin, Magali. Oui, absolument. Il a été validé dans les grandes lignes par les sages. Il a été validé un petit peu après 10 heures, donc ici au Conseil constitutionnel. La Ligue des droits de l'homme avait, vous l'avez dit, saisi le Conseil constitutionnel sur deux points en particulier de la loi sur l'état d'urgence. Il s'agit des perquisitions administratives et des interdictions de réunion. Le Conseil constitutionnel devait donc dire si oui ou non ces deux mesures étaient conformes à la Constitution. Eh bien, la réponse est donc oui. Et la Ligue des droits de l'homme, elle considérait que ces deux mesures n'étaient pas conformes, en tout cas avec les libertés fondamentales, en particulier avec la vie privée et la liberté d'expression. Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait déjà validé certains points de la loi de l'état d'urgence, en particulier la mesure qui concernait les assignations à résidence.